Hey, c'est à tous amis, c'est Oka, on se trouve sur la PlayStation 2. Et oui, alors j'ai dû rater le son un peu d'intro, mais bon, c'est pas grave. On la suit là, voilà, blalou, PS2. Aujourd'hui, nous sommes sur la PS2. J'ai enfin réussi, après des mois d'attente et de procrastination, à configurer un émulateur PS2 pour mon PC. Donc du coup, j'ai réussi à faire fonctionner le truc pas trop mal. Je suis plutôt content, j'ai réussi à faire tourner un petit jeu. Et aujourd'hui, je me suis dit, pourquoi pas en faire un petit playthrough, hein. Vous voyez, genre le truc, on va bien torcher le jeu, on va bien s'éclater. Et on va bah, là, d'ailleurs, l'éclatage arrive, attention les oreilles. THX, le massage auditif. Le bon son THX des bonnes vieilles PS2. Donc... oui, voilà, nickel, la vidéo d'intro se lance parfaitement, génial, c'est en français, c'est merveilleux. Je vais... est-ce que j'ai en même temps d'activer les sous-titres ou pas? Non, pas besoin. Ou alors peut-être qu'ils sont déjà activés. Donc, nous sommes sur un jeu Naughty Dog. Et je pense ne pas avoir besoin de vous indiquer quel jeu c'est. On est sur Jack X. Et je vais vous laisser avec la cinématique d'intro, que je vais moi aussi apprécier, parce que ça fait bien longtemps que je ne l'ai pas regardé. Je vais couper les micros. Bah alors, coupe-toi. Il fallait voir, roue à roue avec les bolides les plus terribles que j'ai jamais vus. Les chromes acérés comme des lames de rasoir luisant dans l'obscurité, les armes vibrant sous les capots. Oh, le gentil comité d'accueil de Kras. Bois un coup, mon ami. Peut-être, mais ils auraient pas dû faire les marioles avec nous. Jack et moi, on est des superstars. Et on connaît du monde ici. On a... merci. Était invité à Kras pour la lecture d'un testament. Un mec super riche, du nom de Crew. Le chef du gang? Ouais, c'est bien ça. On était le bras droit de Crew à Abbeville, mais ce gros tas de graisse a clamsé. Bref, j'en étais où? Ah ouais! C'est là qu'on s'est fait encercler. Des effluves de peur hantaient les airs. Et il y avait aussi des relents d'autres trucs. J'ai dit à Jack, on va se les faire! Oui, la musique de Queens of the Stone Age. Elle est bonne. Eh bien, cette ville a l'air terriblement dangereuse. Il faudrait prendre des mesures pour la sécurité. Mais bon, nous on n'a pas peur. C'est pas un petit gang de ringards qui va nous faire flipper. Vous étiez faits comme des rats. Comment vous en êtes-vous sortis? Comme des dieux. La grande classe. Jack était plutôt mal barré, alors j'ai fait de la purée de ses morveux, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Ah oui, tu sais, les gens du coin n'aiment pas trop les petits prétentieux comme toi. Ils les préfèrent au fond de l'aquarium. Relax les mecs, j'en ai plus pour longtemps. Tu l'as dit. Jurez. Dax, grimpe vite. Jack, t'es dingue ou quoi? T'as flingué mon histoire. Vite. Ah, qu'est-ce que t'attends, Jack? Crouille-toi. Yep, et c'est parti. Tu devais rester discret. On est menacé de mort, Dax. Quelqu'un veut notre peau. Tu crois ça? Qu'est-ce qu'on attend pour rentrer chez nous? Jamais de la vie. Accroche-toi! Jack! Ah, mon Dieu que j'aime ce jeu! Bon, j'espère que mon micro n'aura pas coupé pour rien. Je vais peut-être faire une petite vérification pour éviter de parler dans le vide pendant 2 heures. Parce que ce serait quand même con d'enregistrer une session pour au final parler dans le vide. Donc, bienvenue sur le menu Jack X, ça fonctionne, c'est en français, c'est merveilleux. J'ai juste une petite coupure pour vérifier que le micro enregistre encore à peu près bien. Et je reviens immédiatement. Donc, c'est parfait, ça fonctionne, c'est merveilleux.
Alors, quelques petites explications, parce que là, bon, alors évidemment, c'est une PS2, donc quand on lance, ça entre automatiquement les cinématiques, les machins, les trucs, c'est incroyable. Donc, il faut que je fasse quand même quelques petites explications. Alors, on va faire un playthrough de A à Z, je vais lancer une nouvelle partie, nouveau compte, nouveau profil, nouveau tout. On va se faire l'aventure complète du jeu. Et voilà. Alors, quelques petits trucs. Un, on est sur un émulateur. Alors, niveau fréquence visuelle, fréquence sonore, etc., le truc va ramouser. Hein. J'ai beau avoir une tuerie de PC, peu importe comment tu le configures, c'est un émulateur. Ça va merder à tout moment. Donc, le son peut des fois être un petit peu entrecoupé, comme si vous avez mis la vidéo en 0,75. Des fois, l'image va ralentir un petit peu, ou va peut-être même accélérer. J'ai réussi à enlever le turbo, tout ça, donc théoriquement, ça ne devrait pas bouger. Mais on ne sait jamais. Je préfère vous prévenir, ça peut arriver. Ensuite, deuxième truc. Au niveau du contrôle, alors j'ai pas de manette USB ni de sale merdier, j'ai pas pu configurer tous ces trucs, donc j'ai configuré sur clavier. Ma config clavier est parfaite, le seul petit problème, c'est que, apparemment, je sais pas si c'est le clavier, Windows ou l'émulateur, mais il y a l'un des trois qui a décidé de me dire, mec, t'as pas le droit d'appuyer sur plus de trois contrôles en même temps. Alors ce qui est un petit peu con, c'est que sur une manette, on appuie sur le bouton accélérer, conduire, on appuie sur le bouton drift, on appuie sur le bouton d'arme en même temps. Et la manette, elle est d'accord. Le jeu là, il est pas d'accord. Donc si j'appuie sur accélérer, tourner et booster en même temps, donc je fais une ligne droite, je tourne et je booste en même temps, je peux pas lancer d'armes. Donc faut, je lâche le boost pour lancer mes armes. Bref, il y a plein de petits moments où au niveau même des performances, je vais être un petit peu baisé. Hein, le jeu va m'enculer un peu. Ensuite, j'ai pas exactement la douceur du joystick pour régler mes virages, tout ça. Donc niveau qualité du gameplay, j'étais pas trop dégueu à Jack X, mais là je vais devenir sérieusement mauvais. Donc, vous attendez pas un playthrough de qualité, on va peut-être même recommencer plusieurs courses, plusieurs fois. Mais bon, voilà, c'était les petites explications, je vous aurais prévenu. Si vous êtes encore là, c'est parfait, on s'accroche et on y va. Nouvelle partie. Alors. Ah oui, attends. Faisons déjà un truc. Non. Non, pas. Go back. Charger une partie. Oui. Alors. Merde, c'est pas exactement ce que je voulais faire. Le profil. Nouvelle part. J'avais mis Yoka, mais j'espère qu'il va m'enregistrer mon nouveau profil également. Il va me dire ancien profil, voulez-vous l'écraser? Tu vas les profils? Oui. Par dessus cette sauvegarde? Oui. Bim. Écraser celle-ci? Oui. Sauvegarde en fou. Alors là maintenant, il faut voir. Alors oui, l'une des raisons également qui fait que j'aime bien ce jeu, et que je vais recommencer normalement, c'est que ma console, ma PS2, et ma copie du disque en PAL, a un petit problème qui fait que la sauvegarde bug. C'est-à-dire que là, sur ma console, ça peut rester 8 heures comme ça. Une nuit. Tant que j'éteins pas la console, ça ne fait rien. Alors évidemment, sur l'émulateur, des fois ça fonctionne, des fois il faut que je quitte l'émulateur et que je relance, mais ça sera sauvegardé. Donc je vais me permettre de quitter l'émulateur et de le relancer. Et voilà, c'est juste le petit truc à faire. Je fais une petite coupure, je relance l'émulateur, machin, et on se retrouve sur le menu de chargement des profils. Voilà, donc, ça va faire à peu près 27 fois que je me tape l'écran de chargement THX machin. Au bout d'un moment, je vais le connaître par cœur, je connais ça très bien. Voici donc charger une partie, Yoka 0,0,0%. Nous n'avons rien fait, on pouvait lancer directement la campagne, c'est parti. Alors, chargement en cours, parfait, voilà. Donc là, du coup, on est sur une partie complètement neutre. On n'a rien fait, dès que celle n'est pas faite, rien n'est fait. On va pouvoir donc s'amuser, lancer l'aventure et vous aurez toutes les cinématiques, les machins, tout ça. On a tout. Alors oui, j'ai cliqué vite fait, donc on a l'aventure, l'exhibition qui permet de faire des courses au pif, personnalisée qui permet de personnaliser les bagnoles, oui c'est bien ça. Hop, retour. D'ailleurs je me demande parce que normalement on est pas censé avoir la lame des pistes. On est pas censé avoir justement les débloques dans la campagne, j'espère que ça va pas avoir bugué ce truc. Profil, donc j'ai les profils, logique. Options, ce sont les options, bravo. Et magasin secret qui permet d'acheter plein de secrets. Donc des personnages, Ah oui d'accord, ok, on va voir, non, ça sert à rien. Parce qu'en fait si t'as des sauvegardes de Ratchet & Clank, tout ça, tu peux avoir des Ratchet & Clank dedans. C'est plutôt sympa. Des véhicules en plus, des bobines de film, des casques, des machins, des antennes sur les bagnoles, des roues bonus pour le swag, et plein de merdiers comme ça, voilà. Donc, on lance l'aventure, c'est parti. Parfait, ça lance bien la cinématique. Finissons-en et filons de ce bled pourri. Qui nous a fait venir au fait? La fille de Crew, Rain. Crew avait une fille? Crew s'est reproduit. Elle horreur. T'imagines un peu la tronche de ce gros tas de sadou. Merci d'être venu à Crass. J'ai l'impression qu'il manque du monde. Tant pis. Moi, c'est Rain. Les dernières volontés de mon père étaient simples. Que l'on diffuse son testament à ses plus proches associés. Et que nous tous buvions à sa disparition.
Il gardait cette cuvée spéciale pour cette occasion. Un toast à sa mort. Buvons aux vieux amis et à la mort prématurée de mon père. Enfin, vu comment il était gros... Et sans plus tarder, voici son message. Voyez voir le gros tas. Bonjour mes presques amis, et surtout ennemis. Et si vous écoutez ce message, c'est que je suis mort. Oh bon. Et comme vous le savez, j'adorais les courses presque autant que j'aimais les armes. Hélas, je n'ai jamais réalisé mon rêve de remporter la plus grande de toutes les courses, le grand championnat de Crass. Par-delà la mort, je veux créer la meilleure équipe de pilotes jamais rassemblée et remporter la plus grande course de la planète. Vous êtes les meilleurs d'entre tous et vous allez courir pour moi. C'est la question. J'imagine que vous êtes tous verts de rage, mais laissez-moi vous dire pourquoi vous allez courir et remporter. Si tout s'est bien passé, vous venez de porter un toast en mon honneur. Désolé pour vous, mais j'ai empoisonné cette cuvée spéciale. Quelle déloyauté. Papa! La reine doit être en train de s'énerver. Désolé, chérie, l'effet du poison est très lent. Vous seriez déjà mort. Il vous reste juste assez de temps pour terminer la saison des courses. Si vous parvenez à gagner, mes associés vous donneront à chacun un antidote contre ce poison. Simple, non? Mais enfin, qu'est-ce que t'as fait? Attendez, je ne savais pas. Moi aussi, j'ai bu. Papa ne fait jamais de favoritisme. Ouais, tu bah n'empêche que ton père est dingue. Nous sommes tous dingues d'être venus. Je crois qu'elle dit vrai. Voilà, ça fait une minute. J'imagine qu'en ce moment, vous vous battez tous pour savoir comment sortir de ce pétrin. Ne faites confiance à personne. Gagnez la course et sauvez votre peau. Jack, la prochaine fois que tu voudras m'inviter à une de tes petites sauteries... Oublie ! On peut le faire. On peut courir et on peut battre Crew à son propre jeu. Papa nous a acheté le meilleur garage mobile qui existe. Et chacun de vous a une voiture qui l'attend. Nous faisons tous équipe. Y a pas de temps à perdre. Tu m'étonnes. Bon, l'avantage, c'est que du coup, j'adore les voix françaises de ce jeu. Y'a pas à dire. Je m'étais en mode, ah, oh, je vais peut-être le mettre en anglais, j'ai jamais entendu de ça. Je m'étais en mode, oh, non, ça les voix françaises, elles sont trop classe. Donc, exactement. Emmène ton véhicule sur la piste et je vais reprendre les bases. Ça fait tout à fait un bail que j'ai pas piloté, ça va à peu près 20 minutes. Bref, alors maintiens X pour accélérer. Donc, mon X, c'est mon Z. Voilà. En avance, c'est parfait, le petit tacticiel, parfait. En cas d'urgence, les freins sont là. Mais te connaissant, ton premier réflexe ne sera pas de t'en servir. Tu m'étonnes. Frein à main ! Freine, Jack ! Ah non, pas frein à main. D'accord, bah frein normal ! En maintenant le frein enfoncé, tu peux stopper ton véhicule et passer en marche arrière. Recule, Jack. Reculez ! Tourne les camions. Bien ! Tu sens les commandes ? Ton véhicule est hyper réactif. Alors, il y a quelques bugs visuels. Crois-moi, ça sera indispensable pour les courses les plus... Là-haut, sur les panneaux, ouais, il y a... L'éco verte permet de contrôler les dégâts du véhicule. Quand tu choisis l'éco verte, tu répares les dégâts de ton véhicule. Là-haut, ça bugaille un... Ah, c'est... Non, oui, ça bug, ouais. Ça bug comme les vieux écrans de PC, quasiment. Tu as fini le premier entraînement. Prépare-toi au suivant. Bon, écoutez. Tout peut pas fonctionner parfaitement aussi, hein. Petit à petit, j'essaierai de revoir, parce que là, je l'ai configuré vraiment. Tout à l'heure, je l'ai configuré parfaitement, mais il y a quand même des trucs qui merdent. Bon, j'essaierai de voir pour régler les petits détails. Balade, histoire de tester ce bolide. Ramasse de l'éco bleu. Ça, surveille c'est cool. Surveille ta jauge turbo pour savoir ce que tu as en réserve. Et utilise-le lorsque tu veux vraiment faire flamber la piste. Évidemment, ouais, le petit turbo. Ta jauge indique que tu as des réserves turbo. Utilise-les, Jack, et fais crisser les pneus. C'est bon, je peux aller à la vitesse normale. Ok, c'est parti, 3, 2, 1. Et on y va. C'est de la vitesse. Il t'en faudra, crois-moi. Mon dieu, les musiques de ce jeu sont géniales. Alors, bon, l'écho bleu, c'est simple, c'est de la vitesse, hein. Faut pas comprendre ça très très... Hein, faut être un putain d'Einstein pour comprendre ça. C'est du boost, c'est d'une trou, ça sert à aller. Voilà. Faut sûr que ça serait compliqué. Ah, c'est didacticiel, c'est bien parce que ça vous apprend le jeu. Parfait. Ça, j'ai pas besoin de vous l'apprendre. À la limite, je peux vous dire que ce jeu se passe après Jack 3. Voilà. Après, bah Jack and Daxter, si vous connaissez pas, sortez de votre grotte. C'est un peu vieux, hein, pour ceux qui sont vraiment les plus jeunes. Mais c'est une bonne grosse série de jeux d'aventure. Le premier est vraiment plus un jeu d'arcade. Maintenant, tu maîtrises le turbo. C'est un jeu de mini-jeu, en fait. Par contre, les deux autres, le 2 et le 3, sont des super bons jeux d'aventure, plateforme combat, qui sont géniaux. Ils sont géniaux. Tu peux utiliser le frein à main pour déraper dans les virages. Ils font partie de mes jeux préférés de la PlayStation. Tu devras maîtriser les dérapages en force pour sortir des virages serrés. Ah, ça c'est marrant. Essaie de faire un dérapage, Jack. Ça c'est marrant. Attention, il y a un peu de vitesse. Maintenant, 3, appuie 2, sur le 1, dérapage. Youhou. Super, beau dérapage.
Ah, du coup, on peut déraper comme ça, à peu près pendant une plombe. Un tour en actionnant le frein à main. Parce qu'en fait, notre boost ne descend pas. Notre boost ne descend pas tant qu'on est comme ça. Si tu veux prendre un peu l'air, sers-toi des propulseurs du véhicule. Ils te permettent de décoller du sol en cas de besoin et augmentent ton temps en l'air. Essaie de sauter, Jack. Dingue, hein. Là, j'appuie juste sur deux touches. La touche boost et la touche frein à main. Les deux touches en même temps. Et j'ai assez mon j'ai fait un dérapage de plusieurs kilomètres. Bref, attention, c'est parti. On va peut-être arrêter de vous filer le mal de mer. En avant. L2 pour sauter une colline et faire un long saut. C'est parti. Il était un peu nul ce saut. Bien. On aurait pu faire celui-là. Moins, plus que deux. C'est bon, ça finit de rouler. Merci. Alors vous voyez les petites pattes vertes qui apparaissent, les petits bugs, machin. Parce que j'ai enlevé quelques petits cheats, quelques petits machins qui rajoutaient, enfin qui corrigent certains bugs. Donc malheureusement, il y a des bugs en qui viennent de l'écho, un peu. Tu boostes ta voiture et tu gagnes beaucoup d'options de course. Essaie de ramasser un peu d'écho jaune. Les armes, ça c'est fun. Lorsque tu la ramasses, l'écho est transformé et permet de créer la une vitesse. Arme énergétique. Une icône t'indiquera quelle arme tu as obtenue. Cette icône indique que tu as des missiles. Allez, meurs. Allez, meurs. Voilà, on peut envoyer des missiles, on peut avoir des armes, c'est merveilleux. Et les icônes t'indiquent celles dont tu disposes actuellement. La trailleuse. Allez, crever. Dans différentes situations. Tu devras toutes les essayer pour trouver tes préférées. Libérer la route. Tu peux l'alimenter en te servant de tes armes. Boum. Plus tu les utilises, grenade. Et plus ta jauge d'écho noir est remplie, plus tes armes seront puissantes. Ouais, ouais, l'écho noir, ça c'est trop bien. L'écho noir, c'est ce qui fait que tes armes deviennent complètement OP. Voilà! Attention, arme OP! Attention! Non, vous avez vu, elles envoient des rayons bleus. J'en ai encore en réserve. Allez hop! Ah, les grenades de la mort! Boum! Ah merde, j'avais oublié que je ne peux pas tirer en même temps que je conduis. Il y a beaucoup plus de grenades quand on a ces grenades là, par contre ça part pas très bien. Les missiles? Ouais, les missiles, ça c'est pas. Allez hop, mourrez tous! Petit boost. Et boum! Désolé, là, on a fini. C'est le jeu! Bah alors, mourrez, merde! Maintenant que tu sais à quoi sert l'écho jaune, passons à la suite. Donc, écho jaune, écho la plus intéressante du monde parce qu'elle vous permet d'avoir des putains de mitrailleuses sur votre bagnole. Dans la catégorie des trucs sympas. Mon dieu, d'ailleurs, je me demande comment je vais faire dans les courses de tir. L'écho rouge est pour les armes arrière. Essaie de ramasser de l'écho rouge. Go! Cette icône indique que tu possèdes une mine d'écho rouge. Tu peux activer une arme d'écho rouge avec sa touche de tir spéciale. Alors, la mine, normalement, on l'a que quand notre écho noir est là. Que pour les armes rouges et elles sortent par l'arrière. Essaie de lâcher une mine, des mines collantes. Jack. Beau travail. Voilà. J'en connais qui auront mal au crâne. L'avantage c'est que les mines collantes on les voit bien alors oh que non. La mine on la voit pas et elle est one shot. Les membres du gang de Mizo sont sur le circuit. Attention. Après les armes sont un peu aléatoires. Il a lancé hop, une mine. Lâche une mine pour contre-attaquer. Alors ça c'est le je seul dis. Truc qui est sympa. C'est que si tu as, si un mec te lance un missile téléguidé, tu peux le contrer en balançant une mine. Voilà. Les balles tu peux les esquiver en roulant et en dérapant. Et les grenades même chose, il faut faire un peu des dash et machin. Voilà. Et les missiles tu les esquives en balançant une arme haute. Tout simplement. Voilà, comme c'est fait. Petit temps en l'air, donc du coup ma barre de nitro se remplit. Après on va profiter pour mettre un petit coup de poing, de boost. Merci, au revoir. Hop, merci, au revoir. Ah, le petit dérapage. Petit, pas si petit que ça. Ah bah il a tiré où lui? Bon, ton entraînement est terminé. Merci. Maintenant, voyons si tu pourras te mesurer au gros dur. Voilà, mission entraînement terminée. Bon bah écoutez, j'aime bien. Ça fait 20 minutes que je tourne, vous laisse, allez salut. Ah pas du tout. On va quand même vous mettre une bonne course, ce serait sympa. Et au moins passer à la phase d'intro. Voici ton nouveau véhicule, Jack. Il a une bonne vitesse de pointe. Ouais, 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 ça c'est cool. La bagnole la plus stylée du jeu. Alors, la lame des pistes, c'est juste la voiture la plus belle du jeu, la plus stylée, la meilleure. Et c'est la première qu'on me met. Voilà, y'a pas à chercher plus loin, c'est la première bagnole que t'as, c'est la meilleure. Si jamais tu avais besoin de quelque chose de plus solide, choisis celui-là. Alors, à savoir que je suis un gros mongol, c'est-à-dire que moi, on me dit
T'as le choix entre une... T'as plein de voitures. Tu peux toutes les personnaliser, tout ça. Tu as des voitures rapides, tu as des voitures solides. Les rapides sont pour la course, les solides sont pour le combat. Quelle voiture vas-tu utiliser? La rapide, tout le temps. Cherchez pas, la même, en permanence. Ma voiture. Je la booste que elle, je n'utilise que elle, je le prends que elle, même dans les trucs de combat. D'accord. Tu n'as donc rien compris. Merci. T'as rien compris, rien pigé au jeu. Alors, on va aller se faire au moins une première course, la course de Spargus. Alors du coup, pour ceux qui ne connaissent pas du tout l'univers de Jak and Daxter, il y a plusieurs villes, il y a plusieurs trucs, tout ça. Dans les jeux, on voit déjà donc Spargus. Spargus, c'est le continent du désert, qui a comme ville principale Spargus. Donc le continent du désert, c'est normalement, c'est des parties du monde. Je crois que tout est sur la même map, normalement. Mais le désert, du coup, c'est une très très grande partie du jeu dans Jak 3, dans lequel il y a des monstres, machin, c'est le carnage et l'horreur. Crass, c'est une grosse ville industrielle, portuaire, machin, ça s'appelle Crass et c'est pas pour rien. C'est une ville dégueulasse, c'est une ville où le principe c'est que tout est usine, machin, tout ça. Abriville, c'est la ville principale de Jak and Daxter 2 et le 3. Abriville, c'est là où il y a les anciennes ruines, c'est la grande ville du jeu dans laquelle on passe tout notre temps. C'est là où il y a eu la guerre contre les Metalheads et puis les mecs de l'armée normale là, enfin les merde, comment ils appellent ces connards là. Les robots de combat, je sais plus comment ils s'appellent. Les Grenagardes, voilà, les Grenagardes et les Metalheads. Donc les Metalheads qui sont des espèces d'aliens avec une tête en acier, qui sont une pierre dans la tête. Et les Grenagardes qui sont juste des robots, des combattants de l'armée. Et Jak, lui, c'est un rebelle qui combat les Grenagardes et qui combat les aliens. Il a sauvé la ville de tous les périls et j'en ai dit, c'est un film meilleur, c'est Jak. Les terres gelées, donc ça c'est une partie avec beaucoup de vieux temples et de vieilles civilisations. Très peu de monde y vit, c'est vraiment l'endroit, c'est terre de glace. Et le Grand Prix, il se fait à Crass, évidemment. Voilà, donc on va aller se faire la première course dans Spargus, la ville du désert. Alors c'est pour vous mettre un petit coup de lore, parce que voilà, Spargus, y'a pas grand chose, hein. À part la ville de Spargus et le temple précurseur, y'a rien, Spargus. Du désert. D'ailleurs, je vois plus mettre une belle course sur la c'est plage. C'est une compétition, Jak. Et ce n'est pas pour rien qu'on appelle ce sport. Course de combat. Tous les concurrents portent une arme et n'hésitent pas à s'en servir. Tu vas affronter des pilotes hors pair. Alors sois prudent. L'objectif est d'effectuer le nombre de tours requis plus vite que les autres. En arrivant entier, bien sûr. Colle ton bolide sur la piste. Esquive les attaques. Travaille ta tactique. Et franchis la ligne d'arrivée en premier. Tu les auras tous, Jak. En fait, le but, c'est juste de rouler vite. Moi, c'est bon, j'ai tout compris. Alors, garage, est-ce qu'on a un peu de thunes? On n'a pas de thunes. Parfait. Si on n'a pas de thunes, on repart en arrière et on fait notre première course. En avant! Bienvenue à tous les fans de Vitesse pour une nouvelle saison pleine de défis à vous couper le souffle. Fidèle au poste, votre serviteur JT Blitz commentera les courses héroïques des plus talentueux, des plus merveilleux pilotes de l'univers, tous en quête du célèbre trophée du grand championnat de Crass. Au final, il n'y aura qu'un seul gagnant qui sera déclaré plus grand pilote de tout le pays. Et nous serons là pour commenter les espoirs, les frissons et les larmes. La première course de la saison va bientôt commencer. Alors ne zappez pas et faites-moi hurler ces moteurs. Mon Dieu. La première course. Je sens que tout ça va très mal se terminer. Le vieux. Un sage a dit un jour qu'il fallait garder l'œil sur les gens qu'on avait devant soi et se méfier de ceux qu'on avait dans le dos. Et qui a dit ça exactement? C'est moi. Bon, aucun de nous n'aime cette situation, mais on doit pouvoir en tirer profit. Mon père nous a fourni tout ce qu'il fallait pour gagner. Nous pouvons y arriver si nous... Ton père nous a fichu dans ce pétrin. Alors ferme-la si tu ne veux pas que je vienne te botter le train. Bien, bien. J'ai entendu dire qu'on avait de petits nouveaux cette année, mais je voulais voir ça de plus près. Je m'appelle JT Blitz. Je suis le commissaire aux courses de Crass et star de l'événement sportif le plus regardé de la planète. Je suis venu pour vous souhaiter bonne chance et pour vous rappeler quelques règles. Pas de pari, pas de triche, pas d'entrave aux règles ou c'est fini pour vous. C'est pigé? C'est le show business, les gars! Et les filles? Seuls les meilleurs pourront participer aux plus grandes épreuves. Alors faites-moi plaisir et faites hurler la foule! Allons-y! Oh yeah! Voilà, je vous laisse la cinématique. Bienvenue à alors, il y a quelques belles visuels, évidemment. De la saison. Voyons qui sera le grand vainqueur. Oui, donc oui, au fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais pendant la cinématique, pensez à regarder Ashlyn. Ils lui ont fait une boobs physique, et les gars. Vous allez vous éclater, en avant! Au départ, accélère un peu à deux à l'heure. Alors, des armes, merci. Et on est parti. Cutter, pousse-toi. Edge, meurs.
grenade. Putain, mais j'avais oublié comment les grenades ne servaient pas à grand chose quand on était derrière un mec. Branche-toi le mur. Ah, le petit dérapage qui nous met du boost. J'en ai encore plein. Merde. Hop, et là, on va la mettre un petit coup de brouillard, ça va leur faire plaisir. Le petit dérapage. Allez, merde, ça c'est l'huile, c'est chiant. Pars-toi l'huile. Ça va être chiant les grenades. Ah non, merde, l'arme derrière. Missile dévié. Là aussi, un dévié. Ah non, ma direction. Ma direction est cassée. Ah, c'est vrai. Des fois, il y a un petit bug qui fait que mon joystick va se coller à gauche. Enfin, mon joystick virtuel. Alors, allez m'apprendre pourquoi. Alors, lui, il meurt tout seul. Il n'a rien à lui faire, il meurt tout seul. Ah merde, le petit bug. Ah, le bon bug. Non, le bon bug. Bon, très bien, ça crache parfait. Bon, c'est bon, j'ai réussi à restart la course, à la évidemment. Première course de la saison. Mon dieu, bon du coup ça a fait planter le jeu complètement. Enfin genre, je veux dire démarrer trois fois parce qu'à chaque fois il me mettait sur l'écran. Il plantait les écrans de chargement, bizarrement. Je sais pas pourquoi. Il avait envie, c'est un émulateur, c'est capricieux. Allons-y. On est reparti pour un tour. Tiens, hop, prends-toi ça, le brouillard dans la gueule, ça sent très bien. J'en ai profité pour baisser un petit peu le son aussi, parce que j'ai remarqué que c'était beaucoup trop fort. Un petit coup de shield. Ah, de la vie, j'aurais eu plein de vie, ça m'aurait arrangé, ça. Petit shield encore. Ah, j'ai perdu mon... Très bien. Bon, bah, t'as pas besoin. Je suppose. Ih, à moi. Shield dé... Fié ! Non, j'ai pas eu le temps de leur dévier. Mourez ! Oh, les grenades, c'est vraiment pas une arme efficace. Ah eh fuck. Allez, avance. Parfait, bon, il meurt tout seul, très bien. Ah non, non. Arme d'arrière. Ah, c'est bon, j'ai eu un shield, parfait. Très très bien, ça comme arme d'arrière. Meurs. Ah oh, merde, putain, j'ai lancé mes missiles comme un con. Ah bah non, je l'ai tué, très bien, attends, savoir pourquoi. Écoute, pourquoi pas. Tiens, bonjour. Bonjour. Allez, la bonne mort. Merde, il est pas mort. Meurs. Ah non, ça craint pour moi, ça. Allez, c'est bon, il est mort. Parfait. Non, c'est ça que je veux. Alors oui, si je me trompe un peu de bouton, excusez-moi, mais c'est vrai que c'est un poil compliqué. Petit dérapage, merci. Bon, là, je suis en colère, les mecs. Oh d'accord, bah meurs random. Très bien. Oh bah double meurs random. Si tu veux, dans la même flaque, y'a pas de problème. Petite mine pour la route. Bah non, hey, tout c'est gentil. La foudre. L'huile de feu. La foudre gaine. Que le pauvre gars derrière. Mon dieu, le mec qui leur envoie un milliard de merde dans la gueule. Oh, ah ouais, le mec je lui envoie genre tout le monde entier dans la gueule et... Pardon, Shield. Et il me trouve le moyen de pas crever. C'est un pilote mort. Ok, bah écoute, pas de problème. Mon dieu, la dose de dégâts que j'ai pris. Allez hop, on fonce. Allez, un petit peu. J'ai pas réussi le saut. Ah, il y avait Chim sinon à tuer. Hein. Ça, je dis rien, mais... Oh, le sac, la petite grenade. Enfin, l'espèce de mine téléguidée chelou, là. Elle est très puissante, elle. Bouge ton sac ferraille. Je fais ça, ça va pas lui plaire. Il a tout pris à mon avis. Même pas. Merde. Aïe. Cadeau. Du coup, brouillard dans leur gueule, je sais pas à quoi ça sert, mais bon, on sait jamais qu'ils aiment pas ça. J'entends péter derrière. C'est bien parce que du coup j'ai activé le Dolby 5.1, donc du coup je les entends péter derrière. Allez vous en savoir en quel putain de miracle ça fonctionne dans le jeu, mais bon. Il y a des choses qui fonctionnent pas, par contre il y a des choses qui fonctionnent très bien. Wow, allez go bébé. Ah non, pas les touches rémanentes. Allez vous faire foutre. Pas un coup de touche rémanente là. Pas le moment. Allez brûler.
Bon, il est bien. Non, mais touche rémanente de mon cul, ouais. Ça, parce que c'est ma touche de boost. Non, alors j'ai pas d'arme arrière. Putain, non, mais juste au moment où j'allais finir mon tour, quoi. Non, je vais pas finir troisième. Allez, vite, 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 vite. Pousse-toi de ma route. Pousse-toi. Non, pas deuxième. Deuxième, c'est nul. Deuxième, c'est nul. Fuck. Non, non, j'appuie sur réessayer. C'était fabuleux, cher public. Enfin, pour ceux qui ont eu le cran d'assister au spectacle jusqu'à la fin. Un pilote inconnu a remporté sa première grande course, sans faire d'étincelles. Oui, bah ça va. Alors, racontez-nous un peu cette course. Vous avez eu la trouille ? Non. Eh bien, attendez un peu de rencontrer de grands pilotes. C'est encore pire. Bien pire. Vous allez tenir le choc ? Lâchez-le un peu ! Je prendrai ça pour un non ou un sans commentaire. Et maintenant, rejoignons vite Greaser en direct des stands. C'est dans la boîte. Écoutez, c'est trop mou tout ça, les enfants. Il me faut du nerf, de la niaque. L'audimat a baissé de 13 points sur la dernière course. Plus jamais ça. Si vous voulez faire partie du club, il faut faire mieux, beaucoup mieux. Accumuler des points et je vous accorderai peut-être une autre interview. Si vous en sortez vivant. Ouais, ce sera easy, à chaque fois qu'on m'explose, je repop par miracle. Bien, voyons ce que le gagnant a remporté. Oui, le Doc de Crasse. Eh bien écoutez, le Doc de Crasse. Et le Cranostad. Eh bien écoutez, les Doc de Crasse et le Cranostad, ce sera l'objet d'un prochain épisode. Et oui. Du coup, bah, je suis un peu dégoûté quand on a fini que deuxième, putain. On s'est fait baiser juste à la fin, c'est dégueulasse. Alors, j'ai pas envie de faire mon complétiste, mais voilà, après, au pire en off. J'ai pas envie de faire mon complétiste en vidéo parce que sinon on va juste boucler les mêmes courses et puis ça bug machin, on finira jamais. Donc plutôt en off. En off je referai les courses et en vidéo je ferai que les courses que vous avez jamais vues. Puis on essaiera quand même de les gagner. Normalement je devrais peut-être éviter de perdre tout le temps. Please. D'habitude je les gagne avec une grosse avance ces courses. Bon bref, au pire de toute façon je les tryharderai en off et puis comme ça on aura au moins tous les points et on sera tranquille. Bref, parce que en fait les points permettent de débloquer les nouvelles courses. Donc si on n'a pas les points, faut juste recommencer les courses comme un vieux mongol. Donc c'est pour ça là par exemple il me faut 9 points. Pour avoir les prochaines courses. D'ailleurs, du coup, ça veut dire qu'il faut que je la mets d'ailleurs sur Sparagus en fait. Ouais, c'est bizarre. Bref, je verrai ça en neuf. Du coup, bah écoutez, en tout cas, j'espère que ce premier épisode vous aura plu. Il était un peu chaotique, il y a eu des re-réglages à faire, etc. Mais c'est normal, c'est, je vous l'ai dit, hein, émulateur égal, ça va être compliqué. Donc, du coup, j'espère que vous êtes prêts à me suivre dans cette aventure qui promet d'être juste géniale. Moi, je pense qu'on va vraiment s'amuser. J'espère en tout cas que ça vous plaît, j'espère que ça vous met la hype. Et puis voilà, mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours très plaisir. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait. Balancez des commentaires, tout ça. Dites-moi si vous avez la hype pour plus de courses et d'explosions. Et on se retrouve dans un prochain épisode. Voilà, sur ce, salut à tous et à la prochaine. Allez hop.